Bonjour, ici La Plume pour Limpers.com. Donc on va s'essayer aujourd'hui à une vidéo en live. Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, je vais redescendre un peu de limite. Donc là je passe en NL50. On va jouer sur 4 tables. J'ai déjà fait quelques petites sessions pour essayer de voir un peu le niveau de jeu, les mains qu'ils ont assez souvent, est-ce que ça bluffe ou pas. Donc j'espère que ça va m'aider et que je vais pouvoir vous donner un peu de quelques indications. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais essayer quand même de mettre une dynamique assez agressive pré-flop. Au niveau des 3 bêtes, 4 bêtes, parce qu'il y a quand même des joueurs à la table qui 3 bêtent beaucoup, donc on va pouvoir se le permettre, même si on est en NL50. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, où on pense qu'en NL50 faut beaucoup moins 3 bêtes. À partir du moment où 3 bêtes pour les bonnes raisons contre les bons adversaires, il n'y a aucune raison de baisser le taux de 3 bêtes. S'il se trouve entre 6 et 8, on peut même monter jusqu'à 8, même en NL50, il n'y a pas de souci. Donc en bas à droite, on a un limpers. Donc a priori, je vais l'isoler. Si c'est pas fait avant, je mets 2,50, je suis hors position. On n'est pas trop surpris qu'il colle. Ici, c'est vraiment pas une bonne carte. Il va pouvoir call avec plein de piques encore en main parce qu'il lâche pas souvent ce genre de joueur. Même si j'ai une gutshot, il peut avoir des l'as déjà, puis il peut avoir des paires plus draw, il lâchera rien quoi. Ça va être très dur de lui faire lâcher. Donc on va abandonner le coup. On va lui laisser. Paire de 9 en haut à gauche. On va open. Donc un très bon flop. Continuation bet normale. Il colle très très vite. Donc bon, déjà doublette du 2, ce qui me rassure qu'il n'ait pas de 7. Il colle très vite, donc il a pas mal de draws. Ou des jeux un peu moyens. C'est un value, mais alors sans aucun problème. Ici, on va call 4 bêtes. Un joueur qui 3 bêtes quand même assez souvent au bouton, je l'ai vu faire. Puisqu'en fait, As-10, c'est vraiment idéal. On a un As en bloqueur, ce qui fait un peu moins de combos de d'As-Roi, d'As-As dans sa range. Et donc, tous les As-6 vont être bien pour 4 bêtes en bluff. Parce que de toute façon, on ne jouera jamais de pot, on sera jamais embêté post-flop, puisqu'on n'aura jamais de post-flop à jouer hein, quand on 4 bet, soit on se prendra le tapis adverse, soit il y aura un fold, mais on n'aura aucun souci post-flop, donc c'est très très bien. Et puis ça continue à mettre une dynamique intéressante. On peut remarquer que par contre en NL50, il y a pas mal de profils assez neat qui jouent pas énormément de mains, à mon avis, qui doivent beaucoup multitabler. Et on va finalement pas retrouver
tant de ça de profils qu'on retrouve un peu plus haut, de bons réguliers. Pastis Olive, en a les statistiques. Faudra voir après post-flop comment réellement il se débrouille, mais a priori un joueur très très correct. Donc on va isoler en bas à gauche. On a une main très moyenne. Mais contre ce genre de joueur-là, on isole, on continuation bet, on gagne le coup tellement souvent que ça vaut le coup. Ici, on va 3-bet pour value, paire de 10. Ici, on continuation bet sur un flop assez dry. Ici aussi, en haut à droite, je continuation bet aussi. Le flop est très dry. Roi 8-5. Surtout toucher la range de celui qui open pré-flop. Ici, j'ai pas de raison de bet. Je lui ferai pas fold de main moins forte que ce que j'ai maintenant. Voilà, et a priori, s'il mise, je bats rien. Puisqu'il y a pas de tirage. Donc maintenant qu'il check, j'espère juste qu'il ait une main type 7-8. Parce que 8-9, il aurait bet, 5-6. Bon. La suite. Voilà, je suis tombé sur la bonne main en face. Mais il n'y avait pas de. Il n'y avait pas. À partir du moment où il check river, on peut estimer peut-être qu'on a un peu de value, parce que s'il avait un roi, il l'aurait quand même souvent bet. Mais il y a quand même aussi une bonne partie de joueurs qui ne bettent pas river ici, parce qu'ils ont des rois. On voit qu'ils jouent quand même 30% des mains, donc ils ont des rois très très mal kickés, ils savent pas trop en fait quoi faire. Et river, ils vont souvent check call. Et en plus de ça, quand je bet ici, faut être espéré être payé par moins bien. Et donc même avec As-8 ici, c'est vraiment pas sûr qu'il paye. Donc on pourrait value, mais ça serait quand même assez thin. C'est-à-dire, je pense pas qu'une grande partie de sa range va nous payer avec moins bien. Roi-Dame au bouton, on va ouvrir sur la blinde d'un joueur très loose. On est payé par les deux. GB a des. Au niveau de ses stats, justement, un joueur aussi très correct. Ici, je vais check. Pas de raison de bet. Et maintenant, une fois que c'est. Donc bet à la turn, payé par le joueur. J'ai trop souvent la main perdante et les quelques mains où je pourrais être devant, je peux toujours me faire bluff. Moi c'est voilà, c'est embêtant à jouer. Je pense que bah, c'est quasi sûr, j'aurais payé en 1 contre 1 à 3 joueurs avec quelqu'un qui mise, quelqu'un qui paye, votre deuxième paire n'est plus bonne. Ici, j'ai continuation bet sur 6-6-2 avec l'intention en fait de barrel beaucoup beaucoup de cartes. Je prends l'as, qui est une très bonne chose. Je vais juste call pour le laisser bluffer river. Voilà. À noter qu'avec son dame valet, bon, il a joué très bizarrement tout le long de la main. Hein. La défense peut-être standard, même bon.
C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais bon, il défend pré-flop normalement, ou flop, il check call, c'est assez tendu. Surtout si l'adversaire que vous avez en face est assez agressif, vous allez vous faire bluffer beaucoup de turns. Et le pire, je pense, ici, c'est la river, puisqu'a priori, quand il bet ici, il me fait rien folder. Moi, je vais payer tout le temps devant, quoi. Il a vraiment aucune value river, mais Dame 10, je vais attaquer sur la blinde de Love Easy Money qui doit jouer beaucoup de mains, beaucoup de tables. Je suis payé par un nouveau joueur. Je crois pas que ce soit le joueur que j'ai joué juste avant. Si, c'est le même joueur encore donc. Flop trade high. Donc très propice à un continuation bet de celui qui a attaqué pré-flop. Et donc ça passe, mais ça va passer assez souvent. Une autre petite chose en NL50, à partir du moment où ça raise flop ou turn, on peut mettre dans les ranges adverses quasiment tout le temps 90% de nuts. Je veux dire par là que quand on monte de limite, ça peut commencer à bluff et surtout quand on monte au-dessus, ça va à semi-bluff en draw avec les tirages. Clairement, en NL50, pour le moment, j'ai quasiment vu aucun tirage jouer agressivement, en tout cas en relançant un continuation bet par exemple. Ça joue assez passif, donc quand vous êtes raisé, flop ou turn, en général, il y a les nuts en face et c'est pas intéressant de payer même avec des mains correctes. Donc ce qui est aussi intéressant comme stratégie dans ces limites-là, c'est un jeu tag, c'est-à-dire tight agressif. On joue peu de mains, mais on les joue agressivement. Donc à côté de ça, on va aussi 3-bet beaucoup. Bon là, un joueur qui squeeze, que deux mains sur lui, on va passer. Donc vous pouvez 3-bet beaucoup. Il faut être assez serré dans les premières positions, parce que sur ces tables-là, en plus, souvent quand on open UTG, UTG plus 1, on va se retrouver dans des multi-webpots avec beaucoup de monde, dur à jouer, donc si on a des mains un peu bancales, ça va être très, très embêtant à jouer. Donc on resserre énormément UTG, UTG plus 1. On va jouer un peu plus standard derrière. On peut ouvrir un peu plus au bouton. Suivant qui il y a dans les blindes. Et par contre, toujours, on va être, comme j'ai dit juste avant, assez agressif au niveau du 3-bet. C'est-à-dire qu'on va vraiment trouver les adversaires contre lesquels on va merger notre 3-bet. C'est-à-dire relancer plus large, mais en value. Ou alors contre les personnes où on peut 3-bet, on va 3-bet nos bluffs. Et nos gros jeux. C'est-à-dire qu'on va 3-bet polarisé en fait. On n'aura jamais de moins moyenne, on sera en bluff ou en value pure. Faut juste trouver les joueurs contre qui ça s'adapte le mieux. Là, je vais ouvrir Dame 9. Sur la big blind qui est un joueur récréatif. Donc j'ai plutôt envie de le jouer. Ici, voilà le genre de personne que je vais 3-bet assez souvent en bluff ou en value. Puisqu'il a un taux de fold aux 3-bet qui est assez énorme. Bon.
En haut à droite, un flop trade high, je vais le continuation bet. Dans l'idée aussi de double barrel très souvent, beaucoup beaucoup de cartes. Bon, pour l'instant, pas de pot difficile à jouer. Tout est assez standard, mais globalement, à partir du moment où vous allez avoir un jeu tight agressif, vous aurez très peu de spots difficiles à jouer. C'est un peu tout l'intérêt de cette stratégie d'ailleurs. À partir du moment où on commence vraiment bien à maîtriser cette stratégie, on peut passer en lag. Mais tout est différent au post-flop. Ici, valet 8. Si Love is the money me laisse tranquille, je vais open. En haut à gauche. Payé par un short stack. Qui avait à 50 bébés. Je fais mon continuation bet sur ce board très dry. Il colle. Donc là, j'ai une gutshot. C'est vrai que ce genre de joueur aime pas beaucoup lâcher, mais il a aussi beaucoup de pockets ici. Imaginons qu'il ait pocket 6, pocket 5. Il va vraiment être embêté avec la dame et le 10. Bon, il insta-colle. Là, clairement, il était de toute façon soit en draw, soit la dame, soit il a. Bon, il a quelque chose. Hein. Ça va être très dur de lui faire folder. Et de toute façon, on a le 8. Voilà, il a le 9. La dame, pardon. On n'est pas tombé sur la bonne partie de sa range, mais le double barrel avait beaucoup de fold équité sur ce genre de board. Pas de gros pot pour le moment à jouer. Roi 4. J'étais en train de me poser la question si j'allais souvent l'isoler. Là par contre, il y a un très bon spot. Pour 3 bêtes, Pastis Olive qui va en fait isoler avec une range très très large. Le joueur un peu plus faible. Ici, on prend top pair. On est content. Mais bon, le flop, on l'aurait continuation bet très souvent et ça serait passé même sans la top pair. Bon, globalement, quand un joueur récréationnel open, que c'est collé derrière et que vous les squeeze, il faut en général squeeze pas mal en value, parce que le premier joueur qui a open va coller pas mal, même si, suivant les dynamiques, on peut les toutes premières fois le faire en bluff, parce qu'on va prendre souvent le coup avec le continuation bet, mais derrière, il faudra resserrer sa range. Parce qu'il nous croira plus de toute façon. Mais là, à partir du moment où il a limpé, que Pastis Olive lise au raise et que je 3 bet, je peux 3 bêter très large. Parce qu'il y a quand même peu de chances qu'il fasse ce qu'il a fait là, c'est-à-dire coller mon 3 bet directement. C'est assez surprenant d'ailleurs. Donc si on sait que ce joueur le fait, on s'amusera pas à isoler. Trop large. Mais voilà pourquoi dans ce cas particulier on peut se permettre de 3 bet light, alors que dans un squeeze on va essayer de d'être beaucoup plus en value contre le joueur récréationnel. Paire d'as, je vais continuation bet.
pas complètement ravi du flop parce qu'il y a beaucoup de turns qui vont m'embêter. Pas cette turn. Donc on va continuer en value. As-3 en haut à gauche, il y avait deux joueurs, je suis hors position, j'ai décidé de ne pas isoler pour me retrouver dans un spot difficile. On n'est pas tout le temps obligé d'isoler. Bon là, il nous fait un limp re-raise. On va fold, même si quand même je suis très suspicieux, je le vois commencer à parler dans le chat. Il commence à s'énerver. Ici, je vais bet avec l'as en haut à droite pour value contre les cœurs. Peut-être un roi qui aurait check au flop et qui veut pas lâcher, mais bon. Ici, en haut à gauche, on va isoler contre Rapid Saut. Un flop très moche, mais on va bet en espérant lui faire fold les petites pockets ou des mains très bancales. Mais clairement, il n'y avait aucun 2 barrel sur ça. Désolé, je suis de retour. Donc on est reparti. Pour le moment, tout se passe très bien. Pas de spot difficile. Pas de gros pot. Que du ce qu'on va appeler du grind, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup beaucoup de petits pots. Même situation que tout à l'heure. Je pourrais isoler, mais bon là dans le timing, rapide saut en plus c'est très short. C'est pas le moment. En plus, clairement, il y a des joueurs qui, comme Pastis Olive, qui doivent jouer moins de tables, qui vont être attentifs, à qui ils isolent, dans quelle position. Et des joueurs comme Love Easy Money, il y en avait un autre, bon, il est parti. Je dis pas qu'ils font moins attention, c'est pas vrai, mais globalement, comme ils ont beaucoup plus de tables, ils jouent un peu plus leurs cartes, clairement, et un peu moins les positions et les spots, donc il y a moins de raisons de penser qu'on peut les bluffs derrière. C'est pas pour ça qu'il faudra jamais le faire, mais faut y aller avec parcimonie et trouver les bons spots. Donc j'ai open paire de 3 en haut à gauche. On prend les blindes, magnifique. Donc pour l'instant, on assiste vraiment à une session de grind. Hein. J'attends mes premiers gros pots ou premières décisions difficiles. D'ailleurs, les décisions difficiles, c'est pas ce qu'on cherche. Hein. C'est... Il n'y a aucune raison d'aller les chercher. Petit creux dans les cartes et les positions que je me trouve avec pour le moment. Donc ça me fait aussi penser qu'on peut parler des... Pas des cycles, c'est une mauvaise connotation générale de parler de cycles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où il faut pas forcer les choses. Dans le sens où, bon là, ça peut être, voilà, j'ai pas de carte, ou alors j'ai des cartes, mais jamais les bonnes situations. Il faut savoir, pas
par moment baisser la tête et rien faire parce qu'on sent qu'il n'y a rien à faire. J'ai pas eu cette situation-là encore au niveau des trois bêtes, mais il y a des moments où vous avez l'impression que un peu tout le monde vous en veut. En haut à gauche, je vais squeeze par contre. Un peu tout le monde vous en veut. Vous trois bêtes de partout, et si vous êtes vraiment attentif, vous vous rendez compte finalement en plus que c'est pas forcément les mêmes joueurs. C'est des tables différentes, pas les mêmes joueurs. Et que si jamais vous commencez à vous énerver et à vouloir répondre, c'est vraiment pas le bon moment. Donc il faut tout simplement se rendre compte qu'il y a des moments où ça va pas. C'est pas grave, là j'avais pas de carte, je vais pas chercher à absolument me trouver des spots. Ici. Je vais double. Double barrel. J'ai envie de lui faire lâcher ses floats, en fait. Et ses petites pockets qui voudraient regarder si j'ai pas à se prendre en main. Maintenant, j'ai le roi river. On va dire que j'ai pas le choix. Je dois le value. S'il a paire de 7 ou paire de 9, tant mieux pour lui, mais bon, il l'aura quand même rarement. Priori, il tank, j'ai la meilleure main tout le temps. Ce qui est intéressant là. C'était dans un squeeze pot, je me suis peut-être un peu enflammé sur le deuxième barrel. Clairement, dans des 3 bet pots, c'est-à-dire que le pot va être un peu moins grand, on aura un peu plus de levier. Vous pouvez 2 barrels en bluff beaucoup plus souvent. Notamment, il y a beaucoup de joueurs qui vont, qui vont coller en fait. Votre 3 bêtes avec plein de pockets. Se trouver un flop, il n'y aura pas d'as, pas de roi. Vous faites un continuation bet. Et en fait, il colle juste pour voir si vous n'avez pas as-roi en main. Et si vous checkez turn, ils sont assez contents. Ils pensent souvent être devant. Et tout va bien. Pour éviter ça et rendre votre jeu beaucoup plus difficile pour eux, il va falloir augmenter le double barrel. Quand vous êtes en bluff et qu'il n'y a pas d'as, pas de roi, vous verrez, vous obtiendrez pas mal de folds. Bon, bah, de temps en temps, la personne va pas lâcher ou voilà, comme ça s'est passé là. J'ai eu beaucoup de chance river d'avoir le roi. Mais clairement, si vous voulez avoir un jeu difficile à jouer et que vous êtes quelqu'un qui 3BT assez souvent, puisque je vous dis que le jeu tag, il faut quand même 3 bêtes assez souvent pour que ça soit bien efficace. Il faut avoir ce genre de jeu dans son jeu en fait, hein, c'est important. Donc là, ma paire d'as, c'est intéressant au niveau du timing. Alors que je vais barrel tranquillement mes notes en bas à gauche, parce que là, je l'ai beaucoup 3 bêtes, donc il va pas vraiment me croire. Et c'est assez intéressant. Le problème, c'est qu'on se retrouve UTG contre UTG plus 1. C'est quand même un spot où je représente beaucoup de force. Donc je vais barrel en bas, clairement. Et donc ici. Oh! Bon, ok. On va faire avec. J'ai miss click check. Mais c'est pas très grave parce que comme je le disais, je pense pas avoir 3 barrels de value. On va faire autrement. En bas, je vais miser. En bas. Je mise déjà là que je me retrompe pas. En bas à gauche, je vais miser mi-pot parce qu'il doit pas avoir grand-chose à mon avis. Et voilà, donc je pense pas avoir 3 barrels de value. Donc c'est pas très très grave. Et River, c'est une très bonne carte justement à cause du check que j'ai fait au flop. Parce que là, il va pas trop comprendre sur un force to straight, c'est-à-dire 4 cartes qui font la straight, que je me mette à bet alors que j'ai normalement très rarement le 6 ici.
Voilà. En même temps, je regarde la main. Oui, il avait paire de 6. Donc oui, il était assez light. Bon, il fold. Et bon, clairement, c'était un bon timing pour 3-bet l'as. Pas une bonne position, UTG, UTG plus 1, parce qu'on représente quand même énormément de force. Mais bon, c'était plutôt bien. Bon, dommage, c'est pas très bien passé, surtout avec mon play au flop. Mais ça arrive. Ce qui est important, de toute façon, c'est de bien comprendre ces dynamiques de jeu et de jouer avec. Clairement, là, je me serais pas amusé à 3 bêtes en bluff. Pas à ce moment-là, parce que je l'avais énormément 3 bêtes, même si la position, alors que je vais bet en bas. La position montrait énormément de force. Je vais value en bas contre C7, C6, j'ai beaucoup de value contre les draws et tout. Et clairement, j'aurais pu le faire, mais au niveau de la dynamique de 3 bêtes, c'était pas très intéressant vu que je savais qu'il allait quand même rarement me croire. Voilà pourquoi je l'aurais pas fait à ce moment-là, mais je pense qu'un peu plus tard, dans cette situation-là, ça peut être intéressant de le faire avec la force qu'on représente. J'espère que je suis clair. Faire un commentaire en live, c'est pas non plus hyper évident. Et je voudrais pas non plus que vous vous mépreniez sur les idées stratégiques que je mets en place. Je vais pas double barrel ma gutshot ici. J'aime pas du tout le board. Je pense être collé beaucoup trop souvent. Un flop plus dry. J'aurais pu double barrel pour faire lâcher des pockets, des choses comme ça. Ici, je le sens pas. Il a trop souvent plusieurs choses et il va coller. Roi 9 de pique serait une bonne main à 3 bêtes, mais ici je le ferai pas, même si Love Easy Money fold, juste par rapport à la dynamique. Je viens de beaucoup squeeze, beaucoup 3 bêtes un peu partout. Donc, justement, au niveau des cycles, j'ai pas d'autres mots. Vous 3 bêtez beaucoup, il y a un moment donné, il faut sentir qu'il faut resserrer la range et là passer en mode 3 bêtes en value. Parce qu'on va plus vous croire. La preuve avec moi, As tout à l'heure, il n'a pas hésité une seconde à coller. Donc je pense qu'il est quand même très suspicieux. Voilà. Donc jouez avec ces moments dans votre session, des moments où vous allez bluffer beaucoup, des moments où vous allez vous calmer et repasser en value. Sentez bien ces dynamiques qui peuvent se créer aux tables. C'est vraiment le plus important. Et l'idée qui peut se faire. Les joueurs de votre range, de votre dynamique. Ici, je pourrais payer paire de 4, mais je suis globalement trop souvent derrière. Et Pastis Olive qui était UTG, qui CB avec 4 joueurs dans le pot. Alors là, je suis raise. Donc, bon, j'ai fold, ça. Ça va un peu vite cette tap speed là. Je me suis un peu laissé emporter par le fait qu'en NL50 il raise tout le temps les nuts et que là il a mis une belle dose et que je suis presque sûr qu'il est la dame. Mais bon, j'avais quand même un flush draw. Ouais, là j'ai vraiment été trop vite. Bon, moi ça arrive, hein. C'était un call et fallait réaviser turn. C'est un peu moche ce que j'ai fait. Mais bon, leurs ranges sont tellement fortes. En NL50, j'ai tellement tout le temps vu les notes que là je me suis un peu emballé. Bon, là c'était un call et fallait réaviser turn. C'est très moche comme situation.
J'ai quand même top tout, je vais payer une fois, voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, dans cette situation, a priori, il a quelque chose. Mais est-ce qu'il peut pas faire ça avec 9 et 10, avec valet 9? Waouh! Il bet tout petit. Et voilà. Non. Vraiment pas juste un spot pas facile. Ici, je vais en haut à droite, je vais payer hors position avec 10 et 9 suité parce que c'est un joueur qui m'intéresse. Ici, je vais laisser. Là, vraiment, de toute façon, je bats rien et je pense que s'il avait 10 et 9, il checkerait. Bah, spot difficile. Comme je vous dis, quand on est raise. On est souvent battu. Là, ce qui me fait coller. Il check le flop. Il colle. Je vais tenter un petit overbet. Parce que le profil du joueur se. S'y prête bien. Et ici, bah clairement, je suis tout le temps battu. Je sais pas ce qui m'a slow play au flop ou. Mais je suis tout le temps battu. Je pense pas qu'il raise une couleur inférieure ici. Donc on n'aime pas ça, mais on doit fold. Oui, je reviens au. À mon coup que j'ai joué en bas à droite, je pouvais aussi lâcher des flops pour une raison assez importante, c'est que j'étais hors position et qu'il y avait énormément de turn ou de river qui allaient me mettre dans la panade. Et donc le fait de coller et de subir le coup comme ça, c'était plutôt assez mal joué. C'est vrai que j'avais pas trop envie de lâcher mon top 2. Mais parfois faut le lâcher parce que ça va être vraiment trop dur à jouer turn et river. Et là c'était le cas. Un coup pas très bien joué. Hein. Même si on a top 2, je pouvais m'éviter la situation difficile. Bon voilà, ça devient intéressant. Quelques coups difficiles à jouer. Alors ce qui est intéressant aussi dans Hold'em Manager, je vais revenir là-dessus. Hop, vous avez une main, vous savez pas trop si vous l'avez bien jouée, elle vous a posé problème. Voilà. Vous allez dans. Donc vous cliquez ce que je viens de faire. Ici, j'ai cliqué sur The Master, là, sur la main en bas à droite. Il m'affiche les hands history. Ici, je vais. 4 mains, je vais juste coller. La value est un peu tendue. Et checker. Donc, je continue sur ma main. Vous avez la main ici que vous avez posé problème. Vous mettez la petite croix en haut à gauche, ce qui vous permettra, après la session, de retrouver cette main et de pouvoir soit la poster sur un forum, soit vous-même la re-regarder à tête reposée, voir si c'était pas évident de faire quelque chose. Bon, ma paire de 10. Bon. Oh là, il check avec le valet. Ok, je croyais que j'avais gagné. Très surprenant. Waouh. Dame valet en position assez deep et au bouton, je vais coller. Il check, donc ça aussi c'est à noter.
Surtout au niveau des régulateurs que vous allez rencontrer, savoir quelles sont leurs tendances quand ils check, si c'est pour check call ou si c'est pour check fold. Il y a beaucoup de règles qui vont checker quand ils ont fait de la showdown value sur des flops assez dry, je parle, hein. Et donc ils vont toujours check call et c'est pas les bons spots pour les bluffs, ou alors il faudra rentrer dans des bluffs à plusieurs barrels. Et il y a des régulateurs qui vont, comme ici, check fold juste parce qu'à mon avis il a pas envie de jouer le pot contre moi et il pense se faire bluffer trop souvent. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise raison, hein. Si vous n'avez pas envie de jouer contre un joueur à la table, il n'y a aucune raison de le jouer et de rentrer dans les spots difficiles. Là, je flat call Valet-Valet. Une main que je vais 3 bêtes, ou si c'est un joueur récréatif, je vais clairement le 3 bêtes tout le temps. Là, on est deep, je suis en position. Je me contente de payer, c'est une option. Donc je suis payé. Ah, surprenant qu'il réfléchisse, Pastis Olive, puisqu'il a checké et il colle. Alors là, le check call est très très surprenant. J'ai du mal à le mettre sur une main. Est-ce qu'il jouerait une main comme ça, du type dame-dame, roi-roi? Pour contrôle pot, j'ai pas trop d'idées, je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de value, donc je vais me contenter de check. L'As River est pas une bonne carte, ouais. Il a pas hésité une seconde à bet. On a vu tout à l'heure que River il aimait bien checker, même les. Alors il pourrait être. Mais bon, là, c'est aussi dans sa range, même s'il est en tirage carreau avec un as. Ici, clairement, je vais re-raise sur son min-raise et go broke. Partir à tapis avec ma gut shot et mon tirage. Bon, je tombe pas sur une main très très bien. Et je m'en sors bien. En fait, je suis pas obligé de partir à tapis si vous pensez que la range, et on revient encore à la range de raise, c'est toujours assez énorme en NL50. Mais c'est vrai que là, il me fait un min raise sur un board super drawy, et que sur le coup, mon idée est qu'il n'avait pas une main si forte que ça, et en tout cas une main contre laquelle je pouvais vraiment tenir. Parce que même si vous avez une équité très décente, avec la main que j'avais, c'était le cas. Il y a des spots où justement, quand il va y avoir un set trop souvent en face, vous pouvez clairement la jouer un peu plus passive. Bon là, je discute et je rentre dans des spots assez compliqués. Là, c'est un fold. En haut à gauche aussi. Donc on va jouer notre paire d'as en haut à droite. Voilà. Alors, hein, en tout cas, ça confirme, hein, tous les raises que j'ai obtenus, j'en ai obtenu 3. Il y avait deux fois les nuts en face et une fois je sais pas la main qu'il y avait, mais en tout cas elle a continué à barrel comme si elle avait les nuts. Donc clairement il faut pas se level, il faut pas s'imaginer des choses de fou quand on vous raise. Lâchez vos jeux, même les gros, c'est embêtant, mais il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Étant donné qu'on va vous raiser très 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 peu souvent. Donc voilà, après la session qui va bientôt se terminer,
J'irai vous montrer où retrouver la main qu'on a couchée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est vraiment intéressant, hein. Cochez vraiment toutes les mains qui vous intéressent. Les bad beats, les good beats, hein, c'est pas vraiment intéressant, mais toutes les mains difficiles à jouer. Et comme ça, en fin de session, vous allez pouvoir aller les rechercher, regarder vos gros pots perdus, regarder vos gros pots gagnés, voir si tout a été correct dans votre jeu, et étudier ces mains qui ont été compliquées. Donc ici, paire de 9, j'ai checké. As-3, hein, j'ai beau avoir une gutshot, deux over, il y a deux joueurs et ça a trop souvent touché.